quand tu grandis comme moi dans un quartier populaire en banlieue et que t'es une ado, une fille de maçon, tu te dis pas qu'un jour tu peux devenir écrivain. Et pourtant un écrivain c'est vieux, c'est mort, c'est un noir et blanc, c'est un truc, c'est pas toi de toute façon. Ce qui est intéressant dans le taf de romancier c'est ça, c'est comment tu prends de la matière et tu la transformes. Comment tu prends l'individu et t'en fais un personnage. Tu peux prendre quelqu'un qui existe, mais finalement tu vas le travestir. Dans la cité, j'étais le mec à qui on mettait des tartes derrière la tête. Ah d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les histoires de quartier ou vous écoutez les gens, t'as toujours l'impression que c'était tous des caïds. Mais moi j'assume, moi j'étais pas un caïd, moi j'étais un fragile. C'est-à-dire j'étais le mec, vas-y. Et donc j'avais que le verbe. Une BD sur la prison, avec du violent, avec des insultes, avec un français qui n'est pas du Victor Hugo ou du Voltaire, ça étonne. T'en as vendu combien? 200, 300? Non, j'en ai vendu 10 000. Oh, pour une première BD, mais c'est génial. Et du coup, ils sont comme des dingues, en fait, on est des ovnis. La culture de rue, tout ce qui était street culture, hip-hop, etc., la télé, elle buguait complètement, ça n'existait pas, on n'avait aucune représentation. Donc quand on s'est pointé les premières fois avec des pilotes de la série, les mecs, ils comprenaient pas de quoi il s'agissait, même Canal+, quoi. Et imaginez qu'il puisse y avoir des gens intelligents, qu'il y ait des rapports humains vrais, et des... qu'il se passe des trucs, quoi, comme dans la vraie vie, ça dépassait pratiquement tout le monde dans les médias. Donc le texte que je vais lire, c'est un extrait de L'étranger d'Albert Camus. Il m'a demandé si je n'étais pas trop fatigué. Et il a voulu savoir aussi l'âge de maman. Point. Avant, la prétention que j'avais, quand j'écrivais, c'était d'essayer de tendre une main, quoi. Oui. Voilà, de dire, voilà, regardez un peu plus, regardez qui nous sommes, regardez qui je suis.